Florent Pagny est épuisé. Alors qu'il pensait qu'il était en rémission, son cancer est de retour, il a donc pris une décision de choc. Florent Pagny se bat contre son cancer du poumon maintenant un peu plus d'un an. Florent Pagny déçu par le retour de son cancer depuis janvier 2022, Florent Pagny lutte contre son cancer du poumon. Il a expliqué à ses fans qu'il ferait tout pour surmonter sa maladie. Le chanteur n'hésitait pas à montrer son nouveau visage, qui a ému les Français. C'était un Pagny Florent pâle, avec une perte de poids et un poil qui a parlé sur Instagram. Il a expliqué qu'il devait commencer une thérapie pour guérir. Et imaginez que le traitement s'est avéré efficace. Puis Florent Pagny a pris les cheveux de la bête. Il a décidé de monter sur scène au Nîmes Festival à l'été 2023. Il a également chanté en duo avec Kenji Girac. Mais quand il n'a vécu que des moments de bonheur, sa maladie a rechuté. Une décision radicale qui pourrait avoir un impact sur votre santé. Le mari filtrant Azucena. Florent Pagny est épuisé, cela n'arrête jamais cette histoire, il y a toujours des choses qui doivent réapparaître. Il n'a pas le choix, donc il doit reprendre son traitement pour l'immunothérapie. Si cela revient, il est probable qu'il provient de la même famille. Florent Pagny se blâme, parce qu'il admet avoir été négligent, je l'ai trop apprécié. Au cours des 5 derniers mois, peut-être que si j'avais été en France et que je suivais le programme prévu, il n'y aurait pas ce ganglion lymphatique. Ma faute. Le chanteur a donc pris une décision radicale qui pourrait bien vous surprendre. Imaginez que Florent Pagny souhaite revenir vivre en Argentine. Une décision risquée car là, l'immunothérapie est beaucoup moins efficace. Pour rappel, Florent Pagny était déjà en Amérique du Sud lorsqu'il a appris le retour de son cancer. Il est donc allé en France de toute urgence pour faire des examens. Il a également pu bénéficier d'un traitement plus efficace. Mais nos collègues et publics ne sont pas rassurants. Parce qu'ils expliquent que Florent Pagny veut à tout prix vivre en Amérique du Sud tout ce dont cela coûte. Selon ses proches, personne ne peut revenir à sa décision. Ce serait irrévocable. Est-il prévu passer cette période de souffrance avec ses proches pour trouver des moments bonheur? Pour le moment, le chanteur n'en a pas dit plus. Il aurait loué une maison à Buenos Aires pour bénéficier des soins.